Voilà le frère. Oh mon Dieu. Yes. Thank you.
Bonjour à tous, Cédric, 29 ans, Béarnais, presque local de l'étape. C'est mon 10e Tour de France, le 2e pour Domitis, le leader des résidences services seniors. Moi, sur la caravane, je suis chauffeur du véhicule d'ouverture. Chez Domitis, on a 4 véhicules, un véhicule d'ouverture cabriolet, 2 pick-up et un char. Et on est là pour distribuer 400 000 goodies et on travaille avec des employés Domitis. Je vous en présente une. Bonjour, moi je m'appelle Olivia, je suis animatrice au sein de la résidence de Perpignan et j'ai grandi à Alzone, qui est proche de Limoux. Donc je connais bien Limoux, la blanquette, la fameuse blanquette de Limoux que j'adore. Donc voilà, je suis ravie de partir de Limoux pour cette étape jusqu'à Foix, Prasse d'Albi. Voilà, merci à tous, bonne journée, on espère vous voir sur les routes du Tour. Bonjour, je m'appelle Julie. J'ai 21 ans, je viens de Lille et c'est mon premier tour. Alors je suis distributrice sur la caravane Senseo et du coup on lance des cartes, des cabas, des drapeaux et des petits jetons. C'est une super expérience, donc voilà, on entame notre dernière semaine, ça passe super vite. Et du coup on est 13 sur la caravane Senseo avec 3 chars et 2 voitures d'ouverture. Et on change tous les jours ce char, donc c'est sympa avec les animateurs, les chauffeurs et tout. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Je viens d'Occitanie, donc dans le Languedoc-Roussillon. Donc c'est mon premier tour, donc je suis ravie de faire cette expérience. Je suis vraiment une privilégiée. Donc je suis hôtesse sur la caravane Chris. Donc mon rôle consiste à jeter des bobs. Et après, une journée type d'un caravanier, c'est donc le matin on se lève très tôt, on va sur le parking caravane. Donc là, à ce moment-là, on nettoie les chars, on les astique. Après, donc, on passe toute la journée, on fait les 6 heures de route, on fait le même trajet que les coureurs. Et après, le soir, on rentre, pareil, sur un parking technique et on réapprovisionne les chars. Alors bonjour, moi c'est Camille, je viens de la région Rhône-Alpes-Auvergne, plus précisément dans la Loire, vers Saint-Étienne, où notamment il y a eu une étape samedi et dimanche dernier. Moi, c'est mon 3e Tour de France. Et cette année, je suis avec Logi, qui est l'hébergeur officiel 2019. Et quelques mots sur mon rôle. Alors, donc moi, comme Anne-Sophie, je suis hôtesse. Je distribue donc des manettes. Et je reviens chaque année pour faire le tour parce que c'est vraiment une super aventure. On a l'impression que c'est pas vraiment un travail, même si on fait des grosses journées, mais on rencontre plein de monde et franchement, on peut s'estimer heureuse de faire ça. Donc bonjour, moi c'est Julie, je viens de la région Rhône-Alpes de Lyon. Et moi c'est Charlotte, donc je suis originaire d'Arras et c'est mon 7e Tour de France. Moi c'est mon tout premier, donc nous on travaille pour Cochenou, la caravane Cochenou. Et donc on monte sur les petites deux chevaux que vous voyez au bord des routes et on jette des saucissons et aussi des bobs, du chi. Voilà, donc on est distributrice sur la caravane publicitaire qui compte 160 véhicules, voilà, de toutes marques confondues. Alors moi c'est Quentin, je viens des Pays de la Loire, de Vendée plus précisément. C'est ma première année en tant que chauffeur caravane dans le journal de Mickey. Donc à quoi ça consiste le métier de caravanier ? Mon job consiste à conduire un pick-up comme celui-ci pendant toute la durée du Tour de France, donc 3 semaines, 21 étapes. On roule environ 6 heures par jour, ça dépend de l'étape, si c'est en montagne, si c'est du plat, si elle fait 150 km ou 230. Il y a une hôtesse qui est derrière moi, dans le coffre, et qui lance des journaux de Mickey. C'est des goodies pour tout le public. Donc par jour, il y a environ 7500 goodies à envoyer au public par véhicule. On a 2 véhicules qui lancent des cadeaux pour les gens, et il y a un véhicule Mickey qui lance un petit peu la marque au début de la caravane. On est une équipe de 6, on est 2 par véhicule, donc la journée type d'un caravanier, c'est un réveil tôt le matin, ça dépend du transfert entre l'hôtel et le parking caravane. Dès qu'on arrive sur le parking caravane,
on nettoie les véhicules pour qu'ils soient tout propres, on met les régidisques comme ici, on met les drapeaux, on l'habille pour qu'il soit apte pour toute la durée de l'étape. Une fois que l'étape est terminée, on enlève tous les drapeaux, les cache-plaques, etc. et direction l'hôtel pour recharger les goodies. Donc on doit tout préparer la veille pour être prêt, pour être opérationnel dès le lendemain. Donc voilà, c'est ma première année, comme je l'ai dit, sur la caravane. On postule dans des agences et on a des entretiens à passer au mois de janvier-février. Et suite à l'entretien, on est retenu ou pas, on est beaucoup à candidater. On est une équipe assez jeune, dynamique, et il y a 3 filles, 3 garçons, il y a une bonne ambiance, on danse tous les matins, voilà, on vit H24 ensemble, on est fatigué, mais c'est vraiment une expérience très enrichissante. Et le journal Mickey, notre public c'est les enfants, donc on essaie de leur apporter le sourire tous les jours et d'être aussi très concentré sur la route, parce que ça peut vite arriver qu'une personne traverse pour ramasser un journal de Mickey ou un autre goodies. Donc c'est être vigilant mais prendre du plaisir en même temps. Donc voilà. Aujourd'hui, Limoux, direction Foix. Oui. C'est ça. On est chaud, dimanche 21 juillet. 15e étape. Merci à vous. Je m'appelle Chloé, je suis de l'Aveyron, je travaille pour Continental. Donc je suis chargée de donner les goodies au public et aussi de recharger les véhicules tous les soirs et de les distribuer. Et quand vous êtes sur le tour ? Et c'est ma première année sur le tour. Vous voulez que je refasse un nom complet ? Aussi, on ne laisse pas les bouteilles en plastique par terre, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Fanny Gouillard, c'est mon 6e Tour de France, je suis originaire de Bretagne. Cette année, sur la caravane Vittel, je travaille sur les véhicules RSE. Donc en fait, on diffuse un message concernant le recyclage. On distribue un sac de course en fait, qui a été réalisé à partir de 3 bouteilles d'eau recyclées. Et donc on distribue ça aux gens sur le bord de la route. J'ai aussi mes collègues qui le distribuent au départ, à l'arrivée. Et des collègues qui distribuent aussi en amont de la caravane. Donc le message sur le recyclage des bouteilles d'eau pour réaliser ce sac de course, il est diffusé tout au long de la journée. Sinon, il y a aussi des bouteilles d'eau qui sont donc distribuées de la main à la main au public tout au long de la journée, également au départ, à l'arrivée et en amont. Et donc voilà, ce travail, ça consiste à le matin, on nettoie nos véhicules, on fait les chargements et ensuite toute la journée, on fait toute l'étape et on distribue tous ces cadeaux aux gens qui sont sur le bord de la route.